Souffle de vie, Patricia Saint-John, ouvrage paru aux Éditions des œuvres missionnaires en 1973. L'histoire de la mission du Rwanda avec une préface de l'archevêque d'York. Lecture de la préface de Donald Ebor, Archevêque d'York. J'ai eu le privilège de visiter en 1955 quelques-uns des lieux mentionnés dans ce livre mais j'ai eu aussi le privilège plus grand encore de connaître plusieurs personnes qui y figurent. Pour ces raisons-là, je suis heureux d'écrire la préface de Souffle de vie. Je me réjouis également de cette occasion pour une autre raison. L'histoire de ce livre est remarquable. Elle couvre une période de cinquante ans seulement, un temps très court comparé à la longue période de l'histoire de l'Église et pourtant que d'étonnants progrès de l'évangélisation ne rapportent-elles pas? Je souhaite que de nombreuses personnes lisent ce livre et y réfléchissent attentivement, en ne l'étudiant pas seulement comme une partie fragmentaire de l'histoire ecclésiastique du XXe siècle, mais en se posant des questions comme celle-ci. Qu'est-ce que la croissance de cette jeune Église et le mouvement de l'esprit qui l'anima ont à dire à de plus anciennes communautés? saturés d'histoire, du respect des convenances et figés dans leur tradition. L'histoire du Rwanda a-t-elle bénéficié d'une certaine vision qui s'est obscurcie chez nous Que dit l'esprit à notre Église par le moyen de ce récit Il n'y a aucun doute que l'Église du Rwanda aura de nombreux problèmes à affronter dans les années à venir. Les problèmes de la maturité diffèrent de ceux de l'adolescence et de la jeunesse. Et ceux qui dirigent sa destinée auront besoin de nouveaux dons de l'esprit pour discerner les questions qui sont en jeu. Les lecteurs de cette histoire profondément intéressante de l'Église du Rwanda prieront pour ses membres pour qu'ils maintiennent avant tout leur zèle pour le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous lisons maintenant la préface de l'édition française de Luc de Benoît. Euh, rédigé à Saint-Léger le 10 août 1973 Comme son titre l'indique cet ouvrage contient plus que l'histoire d'une mission c'est aussi le récit d'un réveil remarquable Rien ne glorifie Dieu et n'abaisse l'homme autant qu'un réveil C'est pourquoi en mentionnant les bénédictions dont elle a été l'objet la mission du Rwanda n'entend pas se recommander elle-même elle désire rendre gloire à Jésus Christ seul, celui en qui, Africains et missionnaires, ont ensemble redécouvert la grâce. Méditez ce livre, faites le connaître autour de vous. Surtout découvrez son message, qui n'est autre que le simple évangile de la repentance et de la foi au sang de Christ, évangile vécu dans la réalité de chaque jour, portant des fruits dans les détails les plus pratiques de nos vies de chrétiens toujours faibles et pécheurs, mais pardonnés et revêtus de son Esprit Saint. Enfin, à l'heure où de nouvelles tragédies encore plus sanglantes que celles qui sont relatées dans ces pages, au Burundi en particulier, ont endeuillé les régions où travaille la mission, intercédez pour les chrétiens qui passent par le creuset d'épreuves parfois presque insupportables. La réponse est encore et toujours l'amour et le pardon du calvaire, offert à tous et manifesté envers tous, qu'ils soient tout, Tutsi ou Européens. saint léger le 10 août 1973, Luc de Benoît. Avant de lire l'introduction de l'évêque Festo Kivengueré, nous indiquons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez le télécharger en Word et en PDF. Nous préconisons néanmoins la version en PDF. Nous avons donc créé médiathèquechrétienne.fr en synergie avec cette chaîne YouTube Elle l'écouter sa parole afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur le site médiathèquechrétienne.fr, afin de voir les centaines d'ouvrages et les dizaines d'auteurs que nous avons déjà mis à votre disposition. Lecture maintenant de l'introduction par l'évêque Festo Kivenguéré. C'est avec un profond sentiment de gratitude envers Dieu que j'écris ces lignes d'introduction à l'histoire de son œuvre pendant les cinquante dernières années à travers de simples hommes et femmes qui constituèrent la mission du Rwanda. Saint Paul a écrit ⁇ Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. ⁇ Étant l'un de ceux à qui Dieu a envoyé la bonne nouvelle de son Fils par les messagers de la mission du Rwanda, je puis regarder en arrière aux aspects spirituels et physiques de notre vie au moment où le message de l'amour de Dieu atteignit notre peuple. Et je puis dire que le moment était vraiment venu. Nous étions préparés à recevoir ce message. Notre vie religieuse nous imposait constamment des efforts pour apaiser le Créateur lointain et rébarbatif, de qui nous attendions désespérément notre sécurité. La seule relation possible avec ce Créateur ne pouvait s'établir, semblait il, que par l'intermédiaire de l'esprit de nos ancêtres. Nous espérions qu'il plaiderait notre cause, le convaincrait de nos mérites et obtiendrait pour nous la sécurité après laquelle nous soupirions. Cette aspiration poussait notre peuple à redoubler d'efforts pour trouver des moyens de calmer les esprits sans jamais obtenir l'assurance qu'il recherchait. Nous étions obsédés par un terrible sentiment d'incertitude. Mais le même Dieu qui ordonna à la lumière de briller dans l'obscurité, envoya sa lumière pour qu'elle éclaire nos cœurs et nos pensées et qu'elle les illumine par la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. L'irrésistible amour de Dieu, qui avait vu nos futiles efforts pour entrer en relation avec lui, envoya les fondateurs de la mission du Rwanda dans notre pays. Leur but était de nous dire combien Dieu nous aimait. À cause de l'étrange couleur de leur peau, de leur langage bizarre, de leur manière insolite d'agir et de leur humaine faiblesse, la tâche de communication, apparemment simple, eût été impossible par les seules techniques naturelles. Elle aurait pu se terminer par une confusion de langues, comme à la tour de Babel. Il fallait l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie et d'ordre, le vent puissant qui avait balayé la surface chaotique des eaux sombres avant la création pour souffler sur les efforts de la mission du Rwanda et sur nos propres tentatives et nos essais pour comprendre ce dont il s'agissait. Lentement mais sûrement, nous prîmes conscience du fait que le Dieu que nous avions cherché sans le trouver désirait nous atteindre nous commençâmes à nous rendre compte qu'il s'intéressait tellement à toute notre existence qu'il nous avait donné son Fils qui, en souffrant pour nous, avait permis d'établir de vraies relations avec lui. Jésus et son amour devinrent ainsi la seule puissance capable de nous tirer de notre profond désespoir pour nous amener à la glorieuse espérance de l'Évangile. À travers les années, une triple approche fut utilisée pour pourvoir aux besoins de l'homme tout entier. La proclamation de la bonne nouvelle pour toucher nos cœurs, l'enseignement pour notre esprit, et la guérison pour nos corps. Églises, écoles et hôpitaux s'élevèrent en main endroit et des milliers y accoururent. Pourtant, quelque chose manquait encore. Il y avait très souvent un consentement général à l'égard de la nouvelle doctrine, mais très peu de vrais changements dans la manière de vivre du peuple. Soudain, près de vingt ans après la fondation de la mission, le même esprit se mit à agir avec une nouvelle puissance. L'esprit qui avait créé le désir dans nos cœurs se répandit au dedans de nous, sur les communautés comme sur les missionnaires, telle une nouvelle Pentecôte. Le silence se transforma en louange, le visage de ceux qui répondaient à l'esprit de vie rayonnait de gloire. Les barrières qui séparaient les frères furent abattues en la présence du Christ ressuscité. Hommes et femmes firent l'expérience de la puissance libératrice de la croix du Christ. Pour ma part, je ne remercierai jamais assez Dieu, non seulement pour ce qu'il a accompli parmi notre peuple, mais pour ce qu'il a fait dans ma propre existence quand il lui plut de venir à mon secours. Il m'arracha à mes ténèbres traditionnelles de péché et de désespoir, renversa les barrières de ma résistance, et me pardonna par le sang précieux de son Fils. L'ampleur de ce que Dieu a fait dans nos pays par la mission du Rwanda ne sera pleinement connue que dans l'éternité. L'écho des louanges qui émane des vies libérées par l'amour rédempteur de Dieu en Christ, s'entendra tout au long des âges à venir. Le profond effet du message apporté par la mission et qui est proclamé aujourd'hui par ceux qui le reçurent peut être constaté par les changements radicaux opérés dans nos communautés, dans notre vie familiale et dans l'un des mouvements les plus spectaculaires de la foi chrétienne qui se soit produit dans n'importe quelle société. Puisse ce mouvement de l'Esprit divin se continuer dans les jeunes églises, parmi les missionnaires et leurs amis dans leur pays d'origine. Que ce récit sur l'action du Saint-Esprit à travers de simples personnes inspire aussi les lecteurs, qu'ils soient encouragés à en raconter l'épopée dans le monde actuel et à conduire des âmes troublées hors de l'épais brouillard du paganisme moderne au Christ vivant. L'évêque Festo Kevengere, licencié en théologie, a suivi les écoles de la mission du Rwanda. Il a obtenu son diplôme d'instituteur du collège de Mukono en Ouganda et enseigna à l'école secondaire supérieure de l'Alliance à Dodoma, Tanzanie. Après deux ans d'études aux États-Unis, il fut licencié en théologie. Il a souvent répondu en tant qu'évangéliste itinérant aux invitations qui lui viennent de tous les continents. En plusieurs occasions, il a fait partie de l'équipe de Billy Graham. Il a été consacré évêque de Kigesi en 1972. Nous voudrions maintenant très brièvement présenter qui est l'auteur, Patricia saint John. Patricia Saint-Jean, 1919-1993. Après sa jeunesse passée à l'étranger, notamment en Suisse auprès de ses parents, elle travaille pendant la plus grande partie de sa vie comme infirmière missionnaire au Maroc. Elle a écrit de nombreux livres d'inspiration mystique, ainsi qu'une autobiographie et une biographie de son père, le missionnaire Harold Saint-Jean. Nous avons consacré une playlist complète pour Patricia Saint-Jean, dans cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole. Nous venons de numériser et de mettre à votre disposition le roman biblique, d'inspiration biblique, libre, qui est en fait un récit romancé de l'histoire de cet esclave Odésime qui s'était échappé de chez son maître Philémon et qui avait rencontré l'apôtre Paul auprès duquel il a pu se convertir avant de pouvoir revenir chez son maître Philémon euh, chrétien. Nous avons aussi numérisé Le secret de la clairière, Liban l'amour possible, Où commence la rivière, Le manteau et Hamid le petit marocain, et nous allons encore en numériser d'autres dans les semaines à venir. Si vous voulez connaître les ouvrages que nous numérisons et présentons sur cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole les nombreux cantiques que nous mettons en parole en vue d'une louange individuelle ou en église, avec rétroprojection des chants et des cantiques, ainsi que les nombreux audiobooks que nous avons déjà pris en charge et que nous prendrons en charge à l'avenir, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube et à l'écouter sa parole. Nous vous disons que le Seigneur puisse nous bénir par une révélation toujours plus profonde de son Fils Jésus-Christ dans nos cœurs. Au revoir et à bientôt.